Monsieur a perdu la tête. La créature s'incruste. Je préviens, monsieur, que ce sera elle ou moi. C'est ça, un homme. Un vrai. Chaque médaille ayant son revers, l'autorité mène le plus souvent à ce genre d'isolement qui conduit les empereurs sur des rochers et les célibataires dans les cuisines. Café. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, tu me dis hier de passer avant la nuit, je pense que... Ah bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Bah du café. Du café? Oui, bah c'est Germaine. Germaine, je viens de la foutre à la porte. Oh, c'est pas vrai. Si, je l'ai foutu à la porte. Et je ne souhaite pas à mon pire ennemi de connaître ce que j'ai connu. Une domestique parfaite. Parfaite, oui. Trop parfaite. Le dimanche, un bœuf gros sel. C'est bon, ça? Tu parles le lundi des boulettes, le mardi des croquettes, et puis le mercredi des paupiettes. T'aimes et pas les paupiettes? Si, j'aime pas les paupiettes. Alors le jeudi. J'aime bien les paupiettes. Oui, moi j'aime pas les paupiettes. On vous fera tous les reformes. Oui, je m'en fous des paupiettes. Paupiettes. T'aimais bien les paupiettes? Oui, mais je n'aime plus les paupiettes. Et les gens parfaits sont des emmerdeurs. Là! Mademoiselle. Monsieur. À vos souhaits. Monsieur Paul Arnaud, mademoiselle Héloïse. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous? J'avais soif. Monsieur la fièvre. Je suis descendue pour chercher un verre d'eau. Je vais vous aider à faire votre café. Non. Si, soyez gentil, ça me fait plaisir. Non, ça y a rien à faire. Jamais, ne leur ça jamais. Là. Enfin. Hop. Alors là, je vois pas pourquoi tu m'as sorti toute cette théorie sur ta vieille bonne, au lieu de me dire tout simplement, j'ai trouvé une plus jeune, quoi, toi. Oh non, hein? Assez, hein? Ça suffit! Les sous-entendus et les propos salaces, j'ai horreur de ça! Surtout le matin! Dis donc, elle est de très bonne famille, voilà. Mm-hmm. Et où l'as-tu trouvée? C'est dans la rue, c'est bien ça. Non, je rentrais hier soir tranquillement chez moi, je rentrais, je disais... Elle me dit, monsieur, c'est un peu... Alors, il y avait l'autre qui avait un chapeau, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, bah, allez, ça va.